en bonhomme bleu avec un petit nez rouge, une paire de gants blancs. Mama, mama, doko ni iru no? Mama, mama, hitome aitai no boku. Minna shingo hachi wa otoko no ko. Haha wo tazunete. Mama, mama, doko ni iru no? Mama, mama, hitome aitai no boku. Reviens ici. Oh. Reviens, vilain garçon. Où es-tu? Où es-tu? Oh. Ben, attends-moi, sinon l'oiseau va t'attraper, puis aussi va te manger. S'abriter quelque part. Petite chenille. Merci, abeille, tu as été très très bon pour mon garçon. Oh, il est si mignon. C'est votre fils? Non, je suis son médecin. Ce vilain garçon s'est échappé de l'hôpital. Tu es un garçon très courageux. Comment t'appelles-tu, cher petit sauveteur? Oh, merci, docteur, je m'appelle Hachi. Hachi? C'est un bien joli nom. Eh bien, Hachi, peut-être pourrais-tu nous aider à résoudre un problème? Un problème? Peu importe pour l'instant, je t'expliquerai ça plus tard. Pourquoi ne viendrais-tu pas te reposer chez nous et voir comment les papillons vivent? Regarde, Chi. Voici l'hôpital dont je t'ai parlé. Oh, je peux voir l'intérieur? Naturellement. Oh, vous avez beaucoup de patients? Ce sont les enfants chétifs qu'on nous amène à l'hôpital où nous les soignons pour qu'ils deviennent grands et forts. Ce sont des œufs de papillon, hein? Ils sont petits, hein? Et ces bébés viennent juste de naître. Oh, comme ils sont beaux! Et ils deviennent de plus en plus grands, hein? C'est étonnant, n'est-ce pas? Oh. Compare la taille de ces œufs et celle de ces chenilles. Ah oui, docteur, c'est vraiment étonnant! Ce sont des chrysalides et tu peux les voir se transformer en petits papillons. Elle est toute froisseuse. Observe maintenant, elle va bientôt se changer en un magnifique papillon. Belle.
Docteur. Oui, qu'y a-t-il? Le roi vous fait demander. Ah, très bien. Dis-lui que j'arrive immédiatement. Voici ce magnifique palais. As-tu déjà vu un endroit aussi vaste? Saluez. Tu es surpris. Ce sont les gardes du palais. Allez, viens avec moi. Vous m'avez fait demander, Majesté. Docteur, on m'a dit que vous aviez trouvé un garde du corps pour nos enfants. Oui, Majesté, c'est exact, le voici. C'est Hachi, un garçon abeille très, très courageux. Je te félicite, Hachi. Veux-tu aussi protéger mes enfants? S'il te plaît, Hachi, le roi pense qu'il va avoir un fils et il veut que rien ne lui arrive. Tu m'as montré que tu étais fort, Hachi, et je suis sûr que tu feras un bon garde du corps pour notre prince. Je t'en serai gré. Oh oui, Hachi, protège nos enfants. Mais je ne suis réellement pas aussi fort que vous le pensez. Mais si, tu es bien plus fort que nous, les papillons. Tu vois, nous n'avons aucune arme pour protéger nos pauvres petits-enfants, hein? Très bien, je vais essayer. Oh, c'est vrai, Hachi, tu me fais vraiment plaisir. Mais comment pouvez-vous prévoir qu'ils auront un garçon? Je peux le dire, Hachi, car je suis un médecin de grande expérience. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas de quelqu'un avec l'emblème de notre famille sur les ailes. Oh non! Royal et je peux boire du miel toute la journée. Qui est là? Sortez! J'ai dit sortez! Qui êtes-vous? Je suis princesse Dolly. Ne vois-tu pas l'emblème royal? Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Tu es désolée après ce que tu as fait à une princesse. Y a-t-il? Que se passe-t-il? Oh, père! Cet arrogant garçon a lancé un verre d'eau sur moi! Mais monsieur le roi m'a dit de ne pas permettre à quelqu'un d'entrer dans cette pièce, alors je suis désolée, mais je... Ah, il m'a cassé le bras! Oh, cesse de pleurer, voyons Dolly. Hachi a fait ce qu'il... Il m'a cassé le bras! Allez, très bien, princesse Dolly, très bien. Non, je n'irai pas très bien. Il m'a brisé le bras. C'est Hachi qui a fait ça. Oh, je le déteste, Hachi. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Soyez calme, princesse Dolly. Ça ne va plus vous faire mal maintenant. Soyez calme. Je sens encore cette terrible douleur. Alors dis-moi pardon. Dis-moi pardon. Dis que tu es désolée, Hachi. Ça suffit maintenant, princesse, ça suffit. Je lui casserai le bras, lui aussi. Je le déteste. Arrêtez, princesse. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Est-il mort, docteur? Non, non, il va bien. La chrysalide fond à l'intérieur. Tu comprends, Chip? La chrysalide fond? Oui, c'est exact. Le corps de la chrysalide se dissout, puis il se solidifie en un papillon développé. Voilà, je vais le recoudre et tout ira très bien. Mais où est passée la princesse? Princesse Dolly! Princesse Dolly! Penses-tu pouvoir le faire? Princesse! Princesse Dolly! Oh, c'est Hachi! Princesse Dolly! Tu peux partir maintenant. Où?
Où est-elle? Elle est là. Eh bien, elle est partie. Et avec qui parle-t-elle? Qui êtes-vous? Sortez, sortez. Oh, mais qui êtes-vous? Je suis Bad Bug, une punaise. C'est un drôle de nom, Bad Bug, pour une punaise. Et qu'est-ce que vous faites ici, hein? Quelque chose de mal. Je fais toujours quelque chose de mal, comme d'habitude. Et quelque chose qui rend les gens tristes, malheureux et ennuyés. Je veux que tout le monde me déteste. Oh. Ah. Salut. Et de quoi ont-ils parlé, lui et la princesse? Hein? Il me semble avoir entendu du bruit. Ah non, je ne laisserai personne entrer dans cette pièce. Ça y est, presque. Je l'ai, c'est du bon travail. Ça, c'est... Une chrysalide vide. Ah, il croyait pouvoir le protéger. Je vais la rendre plus intéressante et voilà. Il est là, ce prince. Il va naître dans un instant. Voilà, ça y est. Annoncez-le, vous pouvez. Je ne veux rien entendre, je ne veux voir personne. Je ne comprends vraiment pas, non? Il y a quelque chose qui ne va pas, docteur? Eh bien, vous voyez, je suis la seule héritière du trône. Regardez mon emblème royal, je suis princesse royale. Mais es-tu sûre que la chrysalide n'a pas été changée? Oh, j'en suis sûre, docteur. Je n'ai pas quitté la chrysalide de toute la nuit. C'est étrange, l'enveloppe est la même qu'auparavant. Tu vois, Uchi, regarde. Je suis vraiment navrée de ce qui est arrivé. Oh, mais regardez. Hein? Oh, il y a un trou sous le lit. C'est Bad Dog. Je suis sûre que c'est lui qui a enlevé l'intérieur de la chrysalide. De quoi veux-tu parler, Hutchie? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Mais je vous ai vu parler à Bad Dog, princesse. Vous lui avez demandé de faire un sale tour. Tiens ta langue, Hutchie. Je t'adresse à une princesse royale, oui. Princesse royale, vraiment, vous n'êtes qu'une fille gâtée et égoïste. Oh, tu m'as insultée, Hutchie. Tu es congédiée. Sors, il disparaît maintenant. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Va-t'en, va-t'en. Très bien, mais je reviendrai avec la princesse. C'est vous qui avez tout machiné. Je me demande où est le vrai prince. Bad Bug doit le savoir, mais j'arrive pas à le trouver lui non plus. Tiens, la princesse Dolly. Je vais la suivre. Et peut-être que je vais découvrir quelque chose. Merci, Bad Bug.
Tu as bien fait ça. Je me suis débarrassée de Hutchy aussi. Qu'as-tu fait du récipient? Je l'ai vidé dans la rivière comme vous l'aviez demandé. Au revoir, princesse, et appelez si vous avez besoin de mes services. C'est lui qui a tout fait. Un instant, Bad Bug. Hutchy, j'ai tout entendu et vous vous en tirerez pas si facilement cette fois-ci. Débarrasse-moi de lui pour toujours, Bad Bug. Je te donnerai ce que tu voudras si tu le tues. Laissez-moi faire, princesse. Sais-tu ce qu'il y a dans ce vase? Un poison mortel. Magnifique. Bien fait pour lui. Ça lui apprendra à me rendre ridicule. Oh non. Bad Bug, je croyais que tu m'avais dit l'avoir jeté dans la rivière. Ne touchez pas ça, princesse, ou je vous arrose vous aussi avec le poison. Je vais le vendre à quelqu'un intéressé par un papillon avec un emblème royal, ma chère princesse. Tu ne peux pas faire ça, Bad Bug. Oh non, tu ne le feras pas. Lavez-vous vite, princesse. Et toi, prends garde. Ouais, c'est encore toi, tu vas me payer ça, petit. Mais le vase est vide. Arrête. Donne-le-moi. Et à l'aide, et au secours. Princesse Dolly. Chauffé, il doit mourir de froid. Là. Tiens bon, prince. Oh, tiens bon. Oh, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que le prince vive. Oh, ma jambe. Thank you.
Je m'excuse. Regardez, vous avez perdu votre emblème royal. Peu importe à présent, je n'en ai plus besoin, Uchi, puisque le nouveau prince sera le roi légitime de ce pays. Princesse Dolly. Il va bientôt arriver, Uchi. Gardons-le au chaud. Regarde comme il est mignon. Il ressemble à votre père. Parents, princesse. Moi, je dois partir. Vraiment? Eh bien, je ne t'oublierai jamais, Uchi. Et je serai une bonne sœur. Je souhaite que tu reviennes de temps en temps au château. Merci, je reviendrai. Bonne chance, princesse. Adieu, Uchi. Je veux voir mon papa et ma maman. Oh, oui, mon chéri. Ils seront très heureux de te voir. Emmène-moi chez eux. Mais oui. Adieu, Uchi. Adieu. Dépêchez-vous, vos parents vous attendent sûrement avec impatience. Adieu, Uchi. Adieu, Uchi. Uchi sait qu'il devrait être heureux. Et pourtant, il se sent triste et seul. Encore une fois, il va reprendre la route avec cet espoir qui ne l'abandonne jamais. Retrouver maman.